Élodie Payeux, responsable de la Maison de la Nature et de l'Estuaire. La Maison de la Nature et de l'Estuaire, c'est donc une maison qui est située à Salnelles, dans la baie de l'Orne. Le rôle de cette maison, c'est d'accueillir le public pour sensibiliser sur les enjeux de ce milieu naturel et également proposer la visite du centre d'interprétation qui donne les clés de lecture du site. On a également des expositions temporaires avec La Nature monte le son et un espace boutique avec un lieu de convivialité. On est jusqu'à 10 personnes à la Maison de la Nature et de l'Estuaire. Ça va des agents d'entretien jusqu'aux personnes qui accueillent le public, les animateurs, également un chargé de mission littoral et biodiversité. Et on peut avoir aussi des coordinateurs pédagogiques. On reçoit différents types de publics, aussi bien du scolaire que du grand public, plutôt à tendance familiale. En fait, on a monté un petit collectif avec des partenaires et des prestataires. On travaille aussi bien avec des associations, comme le groupement ornithologique normand. On peut travailler aussi avec des prestataires individuels, des botanistes, des bruitologues. C'est très très diversifié. On a un rucher conservatoire qui est situé juste à côté de la Maison de la Nature et de l'Estuaire. Et donc on travaille directement avec l'association des abeilles normandes du Calvados, l'ANC.